inattendu qui a endeuillé toutes les populations de la préfecture de Koya en particulier et le peuple de Guinée en général. Parce que nous avons enregistré la perte pour non prématurés de 5 des filles et fils de notre pays. Nous ne savons pas si ceux-ci avaient vécu, qu'est-ce qu'ils auraient apporté pour le peuple de Guinée. Mais nous nous disons qu'ils se seraient rendus très utiles à leurs confrères, concitoyens. Nous les avons perdus. La volonté de Dieu s'est manifestée et nous avons vécu 3 journées de guerre. C'est suite à un accident qui est une collision entre 2 barques, l'une motorisée, l'autre non, qui assurait la traversée sur la rivière qui sépare un de nos districts ruraux, Kassonyan, à la terre ferme de Francis, en pleine soirée d'avant-hier. La barque avait à bord plusieurs concitoyens qui quittaient la terre ferme pour rejoindre Kassonyan. Et de l'autre côté de Kassonyan pour la terre ferme, la petite barque qui aussi assurait le transport de 4 de nos concitoyens. C'est les 2 qui se sont rencontrés et il y a eu naufrage. Les 2, le contenu des 2 s'est renversé et il fallait sauver les vies qui étaient en danger. Et promptement, tout de suite, tous ceux qui étaient en ce moment-là se sont jetés dans l'eau et ont pu récupérer 18 personnes vivantes. La recherche a continué jusqu'à l'aube. Nous n'avons pas pu mettre main sur d'autres, mais des statistiques qui se sont dégagées lors de l'interrogatoire des survivants, il a été confirmé par ceux-là qu'il manquait 5 des passagers. Nous avons donc enregistré les 5. Hier, à l'aube, la petite matinée, nous sommes rendus et assistés par le préfet.